ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. On est surpris par des forêts d'eucalyptus, c'est impressionnant, moi j'en avais jamais vu autant. C'est vrai qu'il y a une odeur, comme dit Laurent, un petit peu poivré. Ah, ça sent bon, hein? Bah, ça sent l'eucalyptus. On arrive au bout de la petite forêt d'eucalyptus. Et ça tombe. Alors là, on veut traverser ces marées basses, donc on peut traverser la petite plage qui est là. Moi, je retirerai mes chaussures quand j'aurai passé les rochers. Donc on va traverser ça pour aller de l'autre côté. On est toujours dans les Asturies, hein. On est à côté d'une petite ville qui s'appelle... Un truc comme ça, donc je vais l'écrire. Donc on est là et puis bon, on voit de l'autre côté. Par contre, au retour, si la marée est trop montée, il y a un peu d'air, hein, parce qu'on est dans un couloir en fait. Et comme c'est marée basse, et ben on est au fond de ce que je vous ai filmé hier en tout début, que je mettrai peut-être une photo si j'ai en sticker. Donc on est au fond et on s'approche de la mer. C'est génial. C'est même, c'est impressionnant d'être là quand on a vu toute l'eau qu'il y avait hier. Et puis là, il y a la petite forêt d'eucalyptus. On était hier aussi. Et puis voilà. Je me trouve dans les cavités qu'on voyait hier, d'en haut des falaises, où la mer, elle rentre quand la marée est haute. Voilà. Je suis là. Là, je vais sortir et vous allez voir. C'est chouette, hein? J'ai jamais fait ça, moi. Oh, l'eau est pas chaude, hein? Bon, j'ai retiré mes baskets, hein? Mais bien fallu. Et je vais vous montrer ça de l'extérieur. On est garé juste en face. Vous voyez le petit camion là, hein? Ben, c'est nous. On a passé la nuit là. Et on était, il y a 4-5 petits camions là-bas. Il y en a un là-bas. Il y en a d'autres encore un peu plus loin. Personne ne dit rien. Mais comme je disais, on est encore en Asturie. On n'est pas en Cantabrie. En Cantabrie, on verra ce que ça donne. En tout cas, on a bien dormi. Hein? Par hier, il y en avait deux qui avaient perdu leur chien dans le noir. Maiko, Maiko. Maiko. Il voulait rien savoir, Maiko. Bon, il a fini par rentrer puisqu'il était là ce matin. Voilà, c'est un endroit vraiment... Moi, c'est un endroit que je trouve fantastique, hein, vraiment. J'adore. Il y a du caillou partout, on va marcher dans le caillou, là. Et c'est toujours ces mêmes cailloux, hyper rugueux, hyper coupants, hyper blessants. Vraiment faire attention. Laurent, il a juste effleuré un caillou hier avec la cheville et il avait une petite entaille, hein. Là, il y a des trous comme ça qui s'appellent les bouffonnesses. Et il y en a un autre là derrière. Et je ne vais pas plus près parce que ça fait mal aux pieds sous ces pierres. Et d'après ce que j'ai compris, alors, quand la marée monte, sûrement aux grandes marées quand même, et bien, ça fait des geysers d'eau en fait qui sortent de là. Et ça doit être impressionnant à voir, hein, quand même. Bon, c'est pas facile de marcher là-dedans. J'aurais bien descendre de là, mais. Je suis pas douée, hein. Tout le monde le sait, c'est pas un secret. Hop, ça c'est encore un trou. On entend bien que ça souffle. En fait, c'est pas le bruit de la mer, c'est comme les coquillages où on dit aux enfants qu'on entend la mer. Ben là, c'est plutôt le souffle. C'est pas le bruit des vagues. D'ailleurs, si on met sa main devant, on sent bien le souffle qui passe. Alors là, on est dans une autre curiosité, on est à Cuevas et en fait, on peut passer ici en voiture. Il fait nuit, alors on aurait dû prendre une lampe. C'est peut-être ça qu'ils nous disaient, les gens. Enfin, en même temps, on a nos téléphones pour faire lampe. Hein. Donc on rentre dans une grotte qui est en même temps un tunnel pour arriver à la ville de Cuevas. Et c'est une ville, ouais, on va au village. Et c'est un... Oh ben non, il y a des lumières. Et c'est un village où il y a plein de grottes. C'est impressionnant. Hein? Oh, ça fait bizarre. S'il y a une voiture qui arrive, il faut qu'on se gare. Hein? Hey! Ouh! Je sais pas combien. Oh là là! Je sais pas combien ça mesure. Il faut qu'on fasse attention aux voitures, Laurent.
Il y a quelques loupiottes. Bon, on va prendre des camions. Hein? Donc on va continuer. Là, non, on continue d'avancer. Pratiquement dans le noir. On va peut-être retourner chercher le camion, oui, parce que c'est quand même un peu impressionnant, mais moi je vois rien du tout. Hein. Ouais. Non, non. Oh non, le petit village de Cuevas, ben, c'est mignon, c'est très 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 rural. C'est super mignon, il y a toujours ces greniers de la montagne. On reprend la route, on reprend la grotte. Alors elle fait 250 mètres. Et évidemment, elle a des milliards d'années. Et c'est le seul point d'accès pour le petit village de Cuevas. Donc c'est ce qu'on était en train de dire, si jamais il y a un gros caillou qui tombe, et ben... On dégage le caillou avant de... Oh, c'est impressionnant. On l'a fait dans le sens inverse, ça m'impressionne toujours autant. Il y a des endroits où on ne voit strictement rien. Si vous voulez venir là, prenez une pile, moi je vous le conseille. De ce côté-là, c'est vachement joli. Hein. Impressionnant. C'est joli. Bah, disons que là, on voit clair, quoi. Ça va mieux. Ouais, c'est habitué. Et puis un peu plus de loupiottes. Une grosse stalactite. Un truc de dingue. Oui, c'est un truc de dingue. Il y a une grosse stalactite qui descend là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais Laurent, il a toujours des problèmes avec son téléphone, c'est normal. Il a un appareil qui... Oh, il y a une voiture qui arrive, Laurent. Tout doucement. Voilà, alors, nouvelle petite découverte culinaire. On est sur un parking en hauteur, hein, y a des gens qui passent. On a acheté ce petit fromage. Oui, il est fort. Il dirait qu'il y a du piment là-dedans. En tout cas, c'est bon. On a cette viande là aussi. Qu'on va se faire avec des patates et ce qu'ils appellent des œufs cassés. Et de la salade. Voilà le petit fromage. Comment tu le trouves, toi? Il est bon. On dirait du Saint-Marcellin piquant, quoi, en fait. Saint-Marcellin piquant. Picantes. Ah oui, il déménage là. Ça va piquer le cul, ça, demain. On mange beaucoup, hein. Oui, on dirait du Saint-Marcellin avec du piment dedans. Ouais. Ah, merci. Même qui paraît que... Antonicilado El Bolao. J'ai dit ça tout de suite pour être sûr de m'en rappeler, mais je vais l'écrire. Encore un endroit vraiment... hors du commun, voilà. Je cherchais mon mot. Hein. Parce que là, on a une cascade qui arrive... Et je pense qu'il y a un deuxième étage par là-bas. Cette cascade, elle arrive dans l'océan. Voilà. Il va voir un petit peu ce qui se passe en face. Et voilà la vue d'en face. Donc il y a l'eau qui tombe là, qui dégringole. Et puis là-haut, ça dégringole de tous les côtés en fait. Hein. Et alors il y a bien eu des constructions parce que. Oups là, ça fait mal aux pieds les cailloux. Aïe aïe aïe. Si on avance un petit peu par là. Oh, vous profitez du lieu, c'est pas la peine que je me presse parce que c'est tellement beau. Et bien, quand on avance par là, dans la roche, c'était où là-bas? Là-bas, et puis là, voilà. Il y a des trous qui ont été creusés et qui sont bien carrés. Donc, tiens, les arbres. Il y avait des... On ne sait pas quoi, en fait. Il va falloir qu'on fasse encore des recherches. Je ne sais pas si on trouvera quelque chose. On va aller voir ça.